C'est bon. Événementiel, par exemple, de marketing, comment créer un événement, comment le marketer, lui donner une identité, et avec un beau plateau d'intervenants pour animer ces jeux. Monsieur le directeur général du groupe ISM, Monsieur Diouf. Merci Amandine, l'essence est lundi, donc cette activité African Genius Festival initiée par le groupe ISM vise à donner l'opportunité aux étudiants de montrer leur talent, de montrer leur créativité et surtout d'apprendre à organiser de grands événements comme ça, parce que l'essentiel de l'activité a été menée par un groupe d'étudiants. Donc c'est un peu de l'apprentissage à leur niveau. Et nous saluons l'initiative parce que au-delà de mon dit d'habitude, les cours, il faut que les étudiants apprennent à s'épanouir. Je pense que l'ISM African Business Festival est parti pour être une des activités phares de l'école, visant vraiment à promouvoir l'épanouissement des étudiants, à promouvoir le talent des étudiants, la créativité, etc. Vraiment, c'est plein succès à cette journée. Ah, c'est 2 jours d'activité qui seront couronnés demain par un grand podium qui consistera à donner l'occasion aux étudiants de montrer leur vrai talent et de se challenger. Est-ce que les régions sont conviées? Oui, ça on y a tenu et je pense qu'il y a une bonne délégation de l'ISM, de l'ISPI, de Saint-Zille qui sont déjà en route. J'espère que Kolda sera là. Kolda. On espère. Ouais. Là, on fait un clin d'œil à M. Jean-Vindé. On espère que Kolda sera de la part. Voilà. D'accord. Et pourquoi la créativité a tant d'importance dans le groupe ISM? L'ADN du groupe ISM, c'est vraiment une des valeurs qu'on souhaite inculquer aux étudiants, qui puissent s'épanouir, laisser parler effectivement leur créativité, leur talent, et mettre vraiment toute leur ingéniosité au service d'abord de leur parcours d'études, mais ensuite dans la vie en général et dans leur carrière. D'accord. Et ce soir, il y a une conférence? À 15h. Oui, à 15h. Je vous invite à voir le programme parce que je ne veux pas écorcher. Oui, on a essayé de jouer le module à l'agréable. Avec un écrivain et un auteur. D'accord. Le nom est. Je qui est un ami de la maison et qui assiste à animera une conférence et qui définit les étudiants. D'accord. C'est une qualité de renaissance comme on est à la place du souvenir. Oui. C'est l'occasion de rappeler aux jeunes qui ils sont. Dans le cinéma, dans la littérature, je pense qu'on va parler de la Palme d'Or qui a été remportée par une Sénégalaise. D'accord. Et là, ça nous donne l'occasion également de parler des projets futurs du groupe dans le domaine culturel. D'accord. Amandine pilote déjà ce qu'on appelle l'ISAR, l'incubateur culturel de l'ISM en relation avec l'école IES à Paris. Et un de nos collègues pilote un projet qui s'appelle le partenariat avec CIFAP, consistant à organiser vraiment des enseignements de parcours. Très bien. Véritablement dans le domaine de la culture et notamment dans le domaine de la cinématographie. Pour les professionnels, développer les compétences professionnelles, par exemple les caméramans, les journalistes. C'est toutes ces compétences qui existent aujourd'hui mais qui ont besoin d'être professionnalisées. D'accord. Surtout avec l'avènement du digital, oui. On a besoin aujourd'hui de recapaciter les gens et en faire des formations, surtout des vocational training pour les étudiants qui n'ont pas besoin d'accès à l'enseignement supérieur de haut niveau. Et puis pour eux, vous voulez prendre un métier, vous voulez un professionnel qui serait. C'est vrai qu'avec le réseau d'écoles, dont l'ISM fait partie désormais. On a IESA Arrêt Culture à Paris, on a le CIFAP également à Paris, donc on bénéficie de leur expertise
et on va développer pas mal de programmes. D'accord. De la... et en production. Un message à ces jeunes-là qui sont en train de rêver. Oui. Est-ce que le rêve est permis? Ah oui, plus que permis, hein. Mm-hmm. Bien sûr, on incarne l'espoir, hein, pour les jeunes. Mm-hmm. Nous essayons d'entendre ce flambeau de l'espoir, parce qu'on sait que sans l'espoir, on ne peut rien faire. Tout à fait. Vraiment, ce rêve que vous dites, mm-hmm. on ne peut rien réaliser. Mm-hmm. C'est, bien sûr, m'a été une graine de folie, mm-hmm. la rester, parce que je rappelle souvent que le président... cette école pendant qu'il avait l'âge des étudiants. Oui, oui, oui. Donc ça a commencé par un rêve et on espère que ce rêve continuera et restera à l'avenir. Rêver surtout, continuer à rêver et innover. Et l'important du savoir-être dans tout ça? Toujours. Oui. Toujours. Ça fait partie vraiment du savoir-être, donc des compétences qui sont développées pendant ces 4 mois successifs d'action. Merci. Merci, maman. Merci.